dans de la machine. Ou qu'il est pour avec son Nous armée. approchons du monde des Cariens. Arrivez sur Hanok dans 5 minutes. Que disent les balises de transmission? Tempête de merde à l'horizon, commandant. J'ai détecté plusieurs centaines de signatures de vaisseaux uniques en plein combat. Qu'est-ce que je viens de dire? Allons-y, Joker. On dirait qu'il a survécu à sa relation Mode avec furtif l'IDEA. en marche. Maintenant, à moins de commencer à chanter l'hymne national russe, ils ne nous détecteront pas. Elle lui a pas encore pété les hanches. Mais ça va venir, ça va venir. Non, je plaisante. Faudrait que j'arrête avec ce genre de blague, vraiment. Un jour, ça va me coûter cher. Waouh. Waouh, c'est beau. Ça, c'est leur vaisseau, j'imagine. Et les guettes, c'est le reste. C'est le truc qui ressemble à des serpents. J'ai réussi à accéder à leur protocole d'amarrage. Et les trucs qui ressemblent à des clés, c'est les cariens. Ok, parfait. Oh, un carien de moins. Un deuxième vaisseau carien de moins. Bref, les cariens sont en train de manger de la baffe. Et à fond, quoi. C'est quand même bien fait leur signal. D'accord. C'est beau. Une fois à bord, on trouve ce qui émet le signal des moissonneurs et on le neutralise. Dali est notre experte en programme Get. Elle sera en charge du piratage et de la sécurité. C'est bon de vous retrouver, Dali. Et peut-être qu'avec vous à bord, on aura de la meilleure cuisine turienne. Tant qu'elle est stérilisée. Le docteur Michel m'a donné du chocolat dextro-aminé. Je vous le ferai goûter à notre retour. Elle vous a donné du chocolat turien? Elle a pensé à moi en le voyant. Pourquoi? Non, pour rien. Shepard, il y a un problème. Tous les conduits sauf un sont verrouillés. Je vois celui qui reste. Il est en sale état. Trop risqué pour toute l'équipe. Je vais sécuriser la zone d'amarrage. Vous pourrez tous me rejoindre ensuite. Bien reçu, commandant. On reste ici. Et discret, bien sûr. Tenez bon, j'en ai pour une minute. Oh, ils avaient une relation entre les deux, je savais pas. Est-ce que Garus et Dali ont fricoté ensemble? Ouh, c'est quoi ça? Donc là, oh waouh, je suis à l'extérieur. Donc finalement, j'ai bien fait de prendre Garus avec moi. J'adore le son que ça fait, c'est pas. Écoutez ça. Oh yeah. On dirait que je suis l'incroyable Hulk qui marche dans les rues de... Oh, qu'est-ce que... Pas étonnant que les cariens en aient bavé. Ce bâtiment est énorme. Ouais. Il est 30% plus grand qu'un cuirassé de l'Alliance. Merci pour la précision. J'en avais pas vraiment besoin, cela était évident. Mais bon, c'est pour ça que j'aime bien l'idée. Hein. C'est pour ça que j'aime bien. Autre chose à voir? Vous allez adorer la vue. Oh yeah. 100 fois. Oh ouais. Et après on pensait que la Terre elle morflait ce truc ouais. Voilà quoi. J'aurais été curieux de voir ce que Liara aurait dit à la place de si je l'avais prise à la place de Garus. Mais s'ils ont eu une relation, alors Garus était le choix le plus intéressant vu que cela va rendre les conversations entre eux un petit peu plus intéressantes, je dirais. C'est comme dans Dragon Age où il y a des conversations très marrantes entre Varric et les autres. L'absence de pesanteur est un peu troublante. Vous vous sentirez mieux une fois à bord du cuirassé. Il y a de la pesanteur artificielle. En attendant, je vais essayer de me débrouiller avec ces bottes. Prenez votre c'est temps, pas des commandant. Bottes, ça. Rien de presse. Sauf si quelqu'un regarde par le hublot. Les vaisseaux Get n'ont pas de hublot. Ils utilisent des scanners thermiques pour la détection à courte portée. Je suis immunisé à toute forme de logique. On est deux, Joker. On est deux. Tu crois vraiment que je serais en train de marcher là dans l'espace alors qu'il y a une véritable guerre en train de se produire autour de moi tranquille? Non. Non. Si j'avais le moindre sens de raison, je ne le ferais pas. Est-ce qu'il va tomber? Non? Il a l'air bien. Pour me suivre, ça va être un peu compliqué. Ouais, j'ai bien fait de pas ramener là. Que vous ne préférez pas y aller tout seul. J'aimerais mieux éviter. Demandez à Tali de consulter le plan du cuirassé. Si elle peut me guider jusqu'à un autre tube, je désactiverai les commandes, puis vous pourrez me rejoindre. Je suis à l'intérieur, okay. J'ai de la pesanteur. Bien, alors je cherche. Trouvez. Il y a une brèche dans la coque, pas loin de vous. Le tube d'amarrage le plus proche est juste de l'autre côté. Je crois que j'ai trouvé la brèche dont vous parliez. L'amiral ah bon Guérel a tenté un assaut frontal. Nous avons perdu 6 frégates, sans faire d'autres dégâts que Oups. Ce trou minuscule. Minuscule, ce n'est peut-être pas le bon mot. Vous auriez procédé différemment? Oui, mais personne ne m'aurait écouté. Je ne fais même
autres amiraux ? Xen a soutenu Kerel, sans doute pour tester ses nouveaux jouets. Rahan a donné son accord du bout des lèvres. L'amiral Cory s'était opposé à cette guerre, et il avait raison. Nous pourrions perdre toute la flotte, Shepard. Pas si j'ai mon mot à dire. En effet, tant que Shepi Shep est dans le coin, vous n'avez rien à craindre. Par contre, Shepi Shep s'est un peu perdu là. Petit coup de main. Oh, je vois. Donc c'est par là, c'est compliqué, petite échelle. J'ai trouvé sans trop de problèmes. D'ailleurs, j'ai pas vu c'était quoi l'autre truc qu'on avait trouvé. Bon, c'est pas grave. Donc c'est pas là. Donc on va aller dans le sens contraire exactement. On va voir s'il y a quelque chose. Non, ah, ok, mur de collision. Ok, on peut pas passer par là. Mur avion. Oh, du calme, du calme. Je peux sauter, oui, je peux. Et mes oreilles qui me démangent. Désolé. C'est magnifique d'avoir des démangeaisons dans les mains, dans les oreilles quand vous êtes en train de faire une vidéo. C'est un sentiment plaisant. Ok, personne qui m'attend, j'ai pas confiance. Je me dis qu'à tout moment, je vais avoir des petits zombies de merde qui me sautent dessus. Désactivez les commandes, on arrive. Attendez deux secondes, je vérifie rien, donc c'est par là, j'imagine. Mais d'abord, bien sûr. Ouh, c'est quoi ça? C'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Y'a rien ici? Non? Ok. Parfait. Donc on va monter dans les échelles dans l'échelle tout de suite. Mais il faut toujours vérifier. Vous voyez, j'ai trouvé certes 1800, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Rien par ici. Ah si, voilà. Petite cinématique. Ça y est, permission d'embarquer. Ils ont fait vite, quoi. Par où ils sont passés, eux? Enfin, je... Vous voyez quelque chose? RS pour l'instant, ils nous ont pas encore détectés. Faites voir, je peux peut-être arriver à l'ouvrir. En attendant... Oh, vous avez vu les yeux de Shepard? Oh, ça fait la classe. Ouh, un flingue. Voilà, c'est ouvert. On peut y aller. C'est quoi ce flingue? Pistolet à arc. Pourquoi ils me l'ont montré comme ça? Pistolet modifier l'arsenal. Je ne vais pas l'utiliser moi-même, mais on va juste voir c'est quoi. Pistolet à... Ouh, pas mal. Ça a pas mal de dégâts. On va voir ce qu'il est meilleur que... Non, pas. Mais c'est que je l'ai amélioré à fond celui-là. Donc je pense effectivement que le pistolet à arc est meilleur. Je vais pas l'utiliser par contre. Parce que bon, j'utilise pas les pistolets. Par contre, pour Tali, ça serait peut-être une bonne idée. Moins de dégâts légèrement. Meilleure cadence de tir. Ouais, bien meilleure cadence de tir. Capacité légèrement plus lourde, précision plus élevée. Il est meilleur en tout. Est-ce que je peux le modifier? Je peux pas le modifier. Bon, on va lui mettre et puis s'en fout, on verra si il donne. C'est une invention de l'amiral Xen. Ça génère une onde au contact qui neutralise les boucliers et les synthétiques. Pratique. Et moi, j'ai pas droit à une nouvelle arme? Je n'ai rien trouvé à votre taille. J'aurais peut-être dû la prendre s'il est aussi incroyable. C'est par où qu'on est venu? On est venu par là, donc ok, dommage. Bon, c'est pas grave, c'est elle qui me l'a donné, mais bon, je lui ai rendu. Bon, on cherche quoi? Nous devons atteindre la salle des opérations. De là, je pourrais désactiver le signal des moissonneurs. Et où elle se trouve? Derrière leur réseau défensif et un rideau de capteurs. Tant que c'est là-bas où on veut aller, ça c'est quoi? Batterie gardien. Les batteries gardiens anti-chasseurs. J'ai l'impression qu'ils utilisent le spectre ultraviolet, comme les galariens. C'est très cher, mais surtout très efficace à courte portée. Quand la flotte a attaqué le cuirassé, ces lasers ont littéralement découpé nos vaisseaux. Ils vont payer pour ça. Oh, ils vont payer, tous autant qu'ils sont. Oh, attention, des guests. Ils arrivent. Je savais pas qu'ils ressemblaient à ça. J'avais une vision d'eux un peu différente. Oh, ok, je l'ai vu. Je t'ai vu, mais je t'ai raté parce que je suis... Oh, ils ont des lance-roquettes. Ça va mal se passer pour moi, j'ai l'impression.
Allez, pulvérise-le. Il est résistant quand même. Il est résistant. Ah, je lui donne ça. Allez, crève, crève, crève. Et mets-toi à couvert. Est-ce que je peux... C'est lui, le bonhomme en lance-roquette. Allez, montre-toi, montre-toi. Voilà, voilà. C'est bon. On les a eus. Pourquoi est-ce que ça s'est désactivé? Ah oh. Pas d'alarme. Ce sont des guettes. Toutes les unités du vaisseau ont été alertées. Nous devons atteindre la salle des opérations avant d'être coincés ici. Non, jure que ce sont des guettes. Tu crois que j'avais pas remarqué? Tu pensais que je croyais que c'était quoi? Tu vas pas me faire chier, enfoiré. Voilà. Oh, wow, wow. Super parfait. Personne ne fait le bois contre chez Bichaps. On n'a rien oublié, je sais qu'on est supposé se dépêcher, mais je ne peux pas avancer et ne pas chercher s'il y a un petit objet quelque part. Un petit flingue, un petit fusil d'assaut, un petit shotgun tout nouveau, de l'argent, de l'or, des photos. Non, je... Ok, où est-ce que... Non. Ok, donc on peut continuer. Allez, Chépi, saute-moi ça. Oula, c'est sorti de façon assez... Ouh. Oh yeah. Leurs attaques deviennent suicidaires. Ils sont interconnectés. Oh. Ils sont détruits et plus ils deviennent agressifs. Non, 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 non. Et ne leur laissez pas le temps de recharger. Il leur laisse pas le temps de bouger. Non mais vous avez vu ce multiple headshot? Oh yeah. J'aurais dû vous dire aujourd'hui le défi. J'en ai réussi 4 alors que la dernière fois pour en faire 6. J'avais pas réussi à la fin, si je me rappelle correctement. J'avais réussi à vous en faire 5. Mais ça m'avait fait chier comme pas deux quoi. Ok, y'a plus personne, ils sont tous morts. Parfait, j'ai même pas eu encore besoin de sortir mon... Oula merde, wow. Piège, ok, il laisse des pièges, c'est quoi ça? Ça c'est de la munition, est-ce que c'est par là par hasard? Non, c'est pas par là, donc on continue tout droit et on doit faire gaffe, maintenant il y a des pièges. On me la fait pas. Piège-moi une fois, entame-moi, piège-moi deux fois. Non, c'est le contraire en fait. Je sais pas si ça se dit en français, je connais ça en anglais moi. Mais... Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Oh yeah. Vous savez comment je parle bien en anglais? Ouais, non, c'est un sarcasme. Je sais très bien que mon anglais... Si on est gentil, et on dit que j'ai juste besoin de l'améliorer un petit peu. Regardez, le signal affecte tous les processus GET. Les moissonneurs exercent sur eux un contrôle total. Nous avons essayé de le brouiller, de le pirater et de le détraquer en y injectant des données corrompues. Sans le moindre résultat. Les données des capteurs, comment évolue la situation? Nous subissons de lourdes pertes. Le canon planétaire des guettes fait des ravages au sein de notre flotte. Il faut juste qu'il s'accroche encore un peu. Ok, ok, nous on va continuer à... Ah, fais pas ça, Shepard. Pourquoi doit-on aller jusqu'à la salle des opérations? On ne pourrait pas se connecter à une console? Non. Il y a trop de systèmes de sécurité. Les guettes pourraient facilement nous contrer. Ok, ok. La salle des opérations du cuirassé est devant. Bien, coupons le signal des moissonneurs et vengeons-nous de ces crevards. Ils vont probablement nous attendre en force. Non? Si. Bien sûr que si. Ok, ils sont en mode furtif en plus. Je l'ai vu. Ok, ils sont pas techniquement invisibles, mais ils sont, si on veut, camouflés. Oh yeah. Lui, il est mort, j'en suis quasi... Ok, 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 lui, il va me massacrer ma race. Essaie de te cacher maintenant. Enfoiré. Une super baffe. Et il apparaît. Là, on va continuer avec le sniper. Ou pas, ils sont... Oh merde, c'est... vraiment, il m'a lancé. Non, ça va. Allez, 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 allez. En plus, tu penses esquiver le Shepard. Toi fou, toi pas bien dans la tête. C'était le dernier. Bon, c'est tout. Voyons si cette console est opérationnelle. Je m'attendais qu'il soit un peu plus résistant, mais ok. Ok, ok.
J'explore, hein, comme à mon habitude, voir s'il y a quelque chose. Le processeur central du cuirassé traite un volume de données phénoménal. Je crois qu'il gère l'ensemble des données GET de toute la galaxie. Ok, ok, rien par ici. Quelque chose par là, non. Par là, non. Ok, on va juste voir de ce côté-ci. Des munitions, rien de... Ouh, c'est quoi ça? Non, j'ai rien vu. Est-ce que je peux monter là? Non, je ne peux pas. C'est bon à savoir. Allez, c'est bon à savoir. Ça va, ça va. C'est pas grave. Vous êtes nombreux. Merde. Raté. Ok, là, j'ai vérifié qu'il n'y avait plus rien. Donc, on va se dépêcher. Ça va, tu vois. On a perdu quoi? 30 secondes. C'est passé. Je veux dire, au pire, c'est une bonne centaine de personnes qui sont mortes. Rien de bien méchant. Y a rien par ici? Non, ok. On y va. Ok. Faut d'abord que je trouve ces quelques chemins. Ah, ok, c'est par là. Bon sang, ils ont verrouillé le signal des moissonneurs. On ne peut pas le couper depuis la salle des opérations. Là-bas, le signal des moissonneurs vient des propulseurs. Donc si on y arrive, on l'éteint. Oui, mais comment y arriver? Les guettes ont scellé les cloisons d'urgence pour nous barrer la route. Il faudrait un chemin qui longe tout le vaisseau pour atteindre le propulseur sans risquer d'être bloqué. C'est bon, t'as fermé ta gueule? Et la batterie principale, elle est juste à côté du propulseur. Ça pourrait marcher. Mais... Les guettes nous ont enfermés ici. Il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Ils ont verrouillé les processus supérieurs. Il nous faut quelque chose de simple, un signal d'alerte, comme pour un incendie. Désolé, je m'amuse comme ça. Pour venir du chauffage? Et si je simulais une alerte thermique, tous les conduits de maintenance s'ouvriraient pour une évacuation d'urgence. Même avec le verrouillage en cours? Oui. Ok, tout est prêt. Attention à vous, je détecte des guettes hostiles derrière ces portes. Quelle porte? Ok, toutes les portes. Attention. On va tenter de sniper vu qu'ils sont loin, dès que je les vois s'approcher en chance. Il y a peut-être des chasseurs camouflés. Oh yeah! Oh yeah! Headshot! Headshot! Je l'ai vu! Dépêche-toi! Je l'ai eu! Mais il est pas mort, ok. Allez, ressaute un petit coup. Je t'ai vu! Et tu m'as vu! Et tu vas me tirer dessus avant que j'ai le temps. Soupa! Paf! Et cours! Il va me tuer! Il m'a tué! Waouh! Vraiment? Ok. Il y a peut-être des chasseurs camouflés. Enfoiré. C'est qui ça? C'est Tali. Ok, montre ton cul toi. Montre ton cul. Vous m'avez énervé là. Chepichep, c'est en colère. Bon, ok, ils veulent pas venir. On va essayer de contourner. Oh, je l'ai vu. Bon, ok, le voir ne sert pas à grand chose si j'arrive pas à le tuer. Merde. J'ai besoin de mon armure. Voilà. Où est-ce qu'il est l'autre? Qui est mort? Tali? Ouais, bien sûr. Enfoiré. Tu oses t'attaquer à Tali? Tu vas mourir, je te le promets, ça. Je te le promets. De la façon que je préfère, à coup de super baffe, enfoiré. Ah, il est pas mal ce Péton. Où est-ce qu'ils sont? Ah, c'est rigolé avec ces messieurs. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Voilà. Je viens mettre les munitions. Munitions cryo dans ce truc. Où est-ce qu'ils sont? Oh yeah. Oh yeah. À qui le tour? Toi? Trop loin? Lui non. Allez viens. Oui c'est ça, ne fais pas attention. Continue à tirer sur mes amis. Voilà. Tous au puits de maintenance avant que leur renfort n'arrive. On y va. Y a rien de mieux que le shotgun, franchement. Rien de mieux que le shotgun. J'avoue que le Phaeton, je l'avais sous-estimé, mais il est plutôt efficace, surtout dans des endroits aussi serrés. Je veux dire, tirer de loin avec, c'est pas ce qu'il y a de mieux avec le recul qu'il a. Mais... Les services ont beaucoup de vaisseaux, mais rien de comparable. Les lignes sont étranges. Il n'est pas conçu pour les organiques. La batterie principale ne devrait plus être loin. Je suis étonné de vous voir sur cette mission, Tali. Pourquoi? À leurs yeux, je reste toujours une exilée. Quand nous aurons réussi, vous pourrez les convaincre de mettre un terme à votre exil. L'espoir fait vivre. On est d'accord.
pour une fois que quelqu'un est d'accord avec moi avec ça. Ok, où est-ce qu'on en est? J'ai envie de les voir descendre aussi. Est-ce que je peux? Ils descendent de la même façon, ok. Elle descend pas, elle a peur. Elle descend, ok, c'est de la même façon que moi. Non, parce que, une remarque, Mass Effect 3 quand même. Mais souvent, dans les jeux, ils vous font juste que vos compagnons ils bug et ils se téléportent en bas et c'est tout. Mais comme vous me direz, c'est Mass Effect 3 quand même. C'est pas n'importe quel lieu. Bon sang. Message prioritaire. Un canon de défense planétaire vient d'abattre le vaisseau de l'amiral Corys. Y a des survivants? Des modules d'évacuation se sont échappés. L'amiral Rahan tente d'établir le contact. Passez-la moi. Shepard, ici Rahan. La flotte lourde est en déroute. Je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir tenir. Nous aurons bientôt désactivé le signal du moissonneur, amiral. Ok, c'est tout ce qu'elle voulait me dire? Magnifique. Tali aurait pu me dire, ils sont dans la merde, faut se dépêcher. Mais non, écoute, bon. Ouais, ouais. J'ai pas confiance, c'est sombre, c'est bleu. C'est très guess, c'est très... Ils vont sortir me tirer dessus à n'importe quel moment. Voilà, j'ai entendu un coup de feu. Wow, c'était quoi ce truc? Kamehameha Get? J'aime pas ça, je sens que je vais wipe ici. Et en plus, ça fait une belle couverture. Ouais, ouais, il va y avoir de la baston ici, j'en suis convaincu. J'ai entendu des ouais. Wow, attention, c'est quoi ce truc? Ce canon est énorme. J'aimerais pas me retrouver juste en face de ce monstre. Je crois qu'on ferait mieux de rester à couvert. Ouais, vous avez raison. D'ailleurs, non. Tu viens ici et toi, tu... Entendu. Je sais pas, Garry, si tu te trouves un endroit, tu te mets là-bas, tu sais. Affirmative. Merde, je l'ai totalement raté. J'aurais besoin du Phaéton, ils sont beaucoup trop loin, je peux pas me risquer de m'approcher. Okay. Si j'avais su qu'il allait venir... Oh, mais pourquoi il a pas tiré? Pourquoi il a pas tiré? Mais tire, mais... Voilà. Vraiment, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai pas compris. Oh, des lance-roquettes, enfoiré. Vraiment, Garus? Reste. Tu veux jouer à ce jeu? Là, enfoiré. Il s'approche trop et j'ai du corps à corps de malade pour eux. Allez, montre ta tête. Montre là. L'autre, c'est un tireur de lance-roquettes. Je t'ai vu. Oh, lui aussi m'a vu, je crois. Enfoiré. Voilà, là je vais essayer de sauver notre bon vieux pote Garus. Non, pas de... Ok, bon, on va attendre que la prochaine vague s'approche. Recharge. Elle vient. Je tente. On va tenter. Fais pas le con, Garus, va pas mourir une deuxième fois. Voilà. Il faut le désactiver. Là-haut aussi. Ok, toi ma belle, tu vas venir. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Oh yeah. Ok, par contre là, je vais avoir besoin de mon sniper pour m'occuper de cet enfoiré. Non, j'ai dit sniper. T'es eu, petit enfoiré, tu te caches? Celui que je veux avoir, moi, c'est l'autre, mais celui-là, il va me faire chier. Voilà. Recharge. Où est-ce qu'il est? Vraiment, mais... Bon, il y en a déjà un en bas. Ils ont eu Tali. Apparemment, c'était pas la meilleure couverture pour elle. C'est qui me tire dessus? Oh, l'enfoiré. Je vais devoir y aller. Parce que voilà quoi, voilà quoi. Oh yeah. Va faire foutre en forêt. Voilà. On va revivre, faire revivre Tali. Allez ma jolie, réveille-toi. Petite pirouette en arrière, tu vas venir ici par contre. Entendu. Voilà, reste pas là-bas.
Garrus, il a besoin d'aide, faut que je bouge. Sniper, il peut aller se faire foutre pour l'instant. Lui, j'ai besoin de m'occuper de cet enfoiré et je l'ai totalement raté. Plus pour longtemps. Oh yeah! Où est-ce qu'il est l'autre? Oh yeah! Si là c'est pas du boss move, si ça c'est pas du GG, je sais pas ce que c'est. Eh, mais j'étais à couvert, c'est pas normal, ça devrait pas me toucher. Ok, où est-ce qu'ils sont encore nos ennemis? Ah oh, je l'ai vu. Ah oui, je t'avais vu. Et il y a la merde qui vient. Ouh, je trouvais des données. C'est cool, enfin des crédits, pas des données, mais bon. D'ailleurs, je devrais peut-être explorer un petit peu plus. Me direz-vous, c'est pas le moment. Mais on dirait qu'il n'y a plus personne. Ouais, on dirait qu'il n'y a plus personne. Donc je vais reculer un petit peu. Juste m'assurer. Tranquille, Garrus, tranquille. Toi, reste là-bas, oui. Prends-toi les vagues de canon bizarre dans la face. Est-ce qu'il va me toucher même là? Non, là je suis plutôt safe. Parfait, on va descendre. Vous pouvez me suivre. Il n'y a pas un bouton pour suivre, c'est bon, on peut. Ok. Il est quoi? Oh, ok. Ça devrait nous donner un peu de temps. Le verrou de maintenance les empêchera de tirer. Allons-y. Donc là, on est en train de se balader dans le canon, c'est ça? Il y a suicidaire et il y a suicidaire, je sais pas, tu sais. Bon, là, on va. Oh. Vite, il faut sortir d'ici. Cours, Shepi, cours. Est-ce que l'un d'entre eux va crever? Shepard va se manger le canon? Non. Oh.